Salut, c'est Kelena et on est de retour dans God of War 4. C'est par où? T'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerai. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Bon, c'est quand même la meilleure technique de foncer dans le tas. Hein. J'ai déjà vu ce langage. Regarde là, un autre. Ça dit que son nom est Runegnir. Ner m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Runegnir. Idiot. C'est quoi ça là-bas?
Là, il y en a une. Merde, je suis trop bien. Et voilà. Pomme du Dune, légendaire. Aïe. Voilà. On doit rester vigilant. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi. C'est mort. Tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici?
c'est quoi cette odeur? Maintenant! Ce sont des Eliens? Ils sont vivants, regardez! Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie! Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Il connaît le... Ce n'est qu'un homme. Bon? Ah non. Arrête de te planquer, toi, là-haut, là. Voilà. Ah. Atreus! 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 Oh, ça se réveille. Reste ici. Je m'en occupe. Ah, c'est des marcheurs blancs. D'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Ici. De me hisser. D'accord. Ah, te dépêche pas surtout. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite.
alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Tu fais comme Kratos, tu tapes et après tu t'en occupes plus. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. On n'en vient pas de là. Mais qu'est-ce que tu fais? Avance! Allez! Moi, je crois pas. Je suis pas dans la bonne direction. Moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Fais-moi confiance pour une fois, s'il te plaît. Tu avais raison. Hey, tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère, une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'escater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir.
Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Qu'est-ce que ce sera? Alors, bienvenue dans l'atelier des nains. Améliorer les équipements ou fabriquer de nouveaux. Rock vous a donné une flamme de glace. C'est une ressource rare. Les ressources trouvées dans le monde vous permettent de fabriquer des équipements améliorés. Alors, l'équipement de Kratos dispose de niveau de puissance et de stats. Ok. Une de pierre, j'ai foule en cuir de sanglier. Répandu chez les pillards, on favorise la défense. Très confortable même. Ça c'est du matériel de qualité. Te connaissant, ça va faire une journée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Qu'est-ce que ce sera? Pas assez d'argent. Que c'est. Ils sont de torse. Les guillotins. Moi, ça c'est fait. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Y'a de la place pour un? Ouais, tant que tu casses rien. Tu sens la différence? C'est passable. Elle fait un peu plus mal, la hache. Bah, ton père est un vrai tueur. Tu veux devenir comme lui? Je suis pas sûr. Ce chemin, il mène à la montagne? C'est la bonne direction, oui. Tu veux rejeter un œil à ma marchandise? Oh, ça y est, on a choisi. Bonne chance avec tout ce saccage. Oh, je l'avais même pas vu. Alors, compétences. Charger la hache.
m'a laissé me battre seul. Oui. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. J'ai compris. Bien. Oh, attends. Mais ça, c'est un raccourci. Bien. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Grand chauve ingrat! Hé! Hey, grand chauve ingrat! Viens là! Ça te plaît bien! Hé! Hey, soyez prudents là-dedans! Cet endroit où il n'y a pas de cadeau! Je pense qu'on peut aller par ici. Par ici. Pas très accueillant. Alors... Oh. Attends-moi ici. Allez, hop. D'autres regards. Quoi? Ah merde, il redescend sur moi! Ah! Oh, je pensais que j'étais à l'abri dans le petit coin là. Attends-moi ici. Aïe. Derrière toi.
Ça y est, c'est bon? Oh, et où? Coffre. T'es pas sûr qu'on s'en sorte? Je n'ai pas l'intention de nous laisser mourir. Alors, les ruines, il y en a une là. Retour à la caisse départ. Alors, la dernière rune, où est-ce qu'elle est? Pas ici. Comment est-ce que je pourrais l'avoir? Elle est juste derrière, à moins que... Voilà. Camp d'hydromel sanglant. Votre rage. Ok.
J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. Oh, bien vu. Hé, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Atreus. Regarde, il y a des runes sur le côté. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme ? Il y a peut-être un indice quelque part. Ces cercles devraient tourner. Ouais, bon, on va continuer. Je crois que cette partie est en place. Que disent ces runes ? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois ? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment ? Kinslos. Il s'est passé quelque chose ! Je suis contente d'avoir rencontré Brock, mais je suis encore plus contente de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. Attendez, j'ai entendu un corbeau, non ?
Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier? Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Ah, c'est un gros sanglier, là. Faut pas énerver Kratos, voilà. Pourquoi qui j'ai vu? Je suis dans mon nom. Atreus, j'entends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Attends, j'ai pas fini de fouiller. Là, qu'est-ce qui est écrit ? Les runes symbolisent les trois normes. Les Nornes ? Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Qu'il y a plein de choses à voir ici.
Atreus. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Encore ici. Bon, tant pis, on va chasser le sanglier. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Reste sur tes gardes. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Ces corps appartiennent à ces créatures étranges. Il y a aussi des drogards ici. Ils se sont peut-être battus. Là, il est passé en dessous. C'est bon. Le coude bien haut, la main ferme, on se détend. La précision avant la vitesse. Ouais! Ne le perds pas de vue. Il a perdu son couteau. Atreus!
Atreus! Où es-tu? Dépêche-toi, père! Où l'est? Atreus! Il ralentit! Attends-moi, Atreus! 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 On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute. J'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit, maintenant. Tenez-le. Bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Sunan Fokan. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Bon, maintenant on porte un cochon. C'est mieux. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vue dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas peur. Il est gentil. Mais on en a tué un comme ça. Est-ce que c'est grave? Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Il est inoffensif. Bonjour. Vite. Mets doucement le cochon, là. Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi? C'est vrai.
Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied ? Quoi d'autre ? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai ? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas ! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Alors, une fleur blanche. Tu peux m'aider ? J'arrive pas à l'arracher. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber ? Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Si je l'avais perdu ? Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. Exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir ? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille ? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Loïna. Loïna. Himmler. Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra ? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remettra. Alors, vous avez obtenu le boussole de la sorcière. Prenez le bateau. Attends.
Prends la boussole s'affiche en haut de l'écran et pointe vers ton prochaine tâche. Suivez le marqueur de la boussole pour atteindre le bateau. Elle pointera toujours vers ton objectif. Et une carte, t'as pas ?